Bonjour les amis, de nouveau bord de l'eau. J'espère que vous allez bien. À la vôtre, un petit café au soleil, c'est super, ça fait du bien. Au bord de l'eau, le rêve quoi. Il faut pas grand chose pour être heureux. Moi en tout cas, c'est ce qu'il me faut. Ma station au bord de l'eau, quelques canards. Bon, si on a des poissons, ça sera encore mieux, mais pour l'instant, c'est calme. Bon, après, on est encore en début de saison, faut pas non plus pousser un peu le bouchon, façon de parler. Donc, je continue pêche de feeder en hiver. Je tenais à vous remercier sur la dernière vidéo qui a été diffusée. Apparemment, elle a bien plu. Il y a pas mal de beaucoup de retours, donc je tiens à remercier les participants qui prennent le temps de poster des questions. Profitez-en, hein. C'est le but, c'est d'échanger. Si vous avez des questions, je vous invite à y répondre ou juste passer le bonjour, quoi. Ça sera sympa, ça fait de l'activité sur la chaîne YouTube. Voilà, donc pour revenir à la pêche, aujourd'hui on ne change pas de méthode, je suis toujours au pain. L'objectif étant en fait, je peux vous le dire, je suis en train d'essayer de faire une petite recette au pain avec bien sûr des éléments complémentaires. Et le but c'est de l'essayer dans différents plans d'eau pour voir si ça fonctionne. Et après l'objectif c'est de vous la partager, de vous la donner, voilà, tout simplement. Après je dis pas que c'est la recette miracle, de toute façon il n'y a aucun produit miracle. La difficulté que je rencontre pour l'instant, c'est de trouver le bon mouillage. Maintenant, j'ai les ingrédients. Merci Marc. Donc, ça fonctionne bien, il comprendra. Donc, le but, c'est de trouver le bon mouillage. Pour au moins après pouvoir vous donner les dosages corrects en fonction des profondeurs d'eau que vous pêchez. Donc, ça fait que deux fois que je l'utilise. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il est un peu trop tôt pour l'instant pour en parler plus sérieusement quoi. Donc je fais des tests et peut-être pas cette année, je sais pas, ça va dépendre de combien de sorties je vais faire cet hiver, mais si au moins vous aurez une recette pour l'année prochaine pour ceux qui voudront essayer de pêcher au feeder aux méthodes durant l'hiver prochain. Voilà. Concernant la stratégie au niveau des postes, donc là j'ai mis mes deux cannes parce qu'ici on peut pêcher, on n'est pas limité par le nombre de cannes, autant la semaine dernière sur le carprodrome où je vous ai présenté à Ponto de Mer, j'étais limité à une canne. Ici j'ai deux cannes, donc j'ai ma canne, je ne change pas de stratégie, j'ai ma canne Daiwa qui est montée avec une cage et du pain, montée sur un cheval avec du pain comme vous avez pu le voir, et ma canne Preston est montée aux méthodes. Pour l'instant je suis avec le même appât que j'ai utilisé la dernière fois, chocolat orange, avec un dumbbell semi-équilibré, et sur la canne Daiwa, comme je disais, je suis monté sur un cheveu avec du pain. Voilà, je ne change pas de stratégie. La seule différence, c'est que je pêche avec deux cannes, et je pourrais, si bien sûr les carpes répondent présentes, je pourrais voir si j'ai une canne qui est plus attractive que l'autre. C'est surtout ça, quoi. Voilà. Au niveau du poste, c'est simple. Je pêche la berge en face. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de buissons immergés. Donc je me suis mis, en fait, je suis à quoi, à 20-30 cm de la berge en face. Et c'est un poste, je sais que les poissons passent par là. En pleine saison passe pas là, mais pour le moment c'est pas le cas. Bah écoutez, j'espère que je pourrai vous montrer quelques poissons tout à l'heure, sinon il faudra vraiment croire que ce plan d'eau me porte malheur. C'était mon capot l'année dernière, j'ai peut-être faire un capot aujourd'hui, mais aussi c'est ça aussi, vous montrer la pêche, hein, ça marche pas toujours, et c'est un peu normal aussi qu'on rame un peu plus en période hivernale. Le poisson est pas forcément intéressé par manger. Il a plutôt envie d'être tranquille et il y a des couillons au bord de la berge qui essayent de les embêter, quoi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss. We'll be right back.
il est 13h10, même 11 maintenant. On peut dire que c'est très très calme. Pourtant, c'est une super journée, il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Les conditions sont réunies pour faire du poisson normalement. Je pense pas que l'eau ait descendu tant que ça en température. Et je sais pas ce qui se passe, mais même pas une tirette, même pas un passage dans le fil. C'est la déprime totale, les amis. C'est vraiment l'impression de perdre son temps, mais c'est la pêche aussi, hein. C'est la période, c'est voilà, ça marche pas toujours. On a beau avoir les meilleurs appâts, bah, au moins les appâts, on a l'habitude de pêcher, qu'on a confiance. Quand ça veut pas, ça veut pas. On a beau chercher. Là, j'ai mon collègue Olivier qui a changé de secteur. Moi, je persiste quand même sur la rive en face. Olivier tente un peu plus au milieu du bras. Mais bon, pour l'instant, c'est mort de chez mort. Voilà. Donc, je pense pas. Malheureusement, je crois que ce plan d'eau, pour l'instant, j'ai pas de chance avec. C'est la deuxième fois que je viens pêcher. C'est la deuxième fois que je vais faire capot, je pense. À moins qu'il y ait un suicidaire au dernier moment. La méthode n'a pas changé, hein. Je suis passé complètement, là j'ai arrêté la cage, je pêche carrément en méthode, donc avec le pain, ça marche impeccable. Le produit est hyper attractif, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Là je pêche quand même dans des profondeurs de 1 mètre, 1 mètre 50 grand maxi, donc le mouillage va très très bien, tout est prêt. Donc d'un côté j'ai mis un cheveu avec du pain, et de l'autre côté c'est des dumbbells semi-flottants, mais d'habitude ça marche, et là que dalle. Faut pas chercher à comprendre, quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas, je sais pas ce qui va se passer pour la suite. J'espère pouvoir allumer la caméra tout à l'heure pour vous montrer un poisson, j'espère du moins. Mais bon, c'est tout, hein. Ça arrive aussi. Hein. Ça fait partie de notre passion, de pas des fois de faire des capots. Voilà, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, bon les amis, on va faire la conclusion maintenant. J'espère peut-être que vous verrez des poissons après, je sais pas, mais en tout cas là c'est la déprime totale. on est 3 pêcheurs à être venus pêcher. Pour l'instant, aucune tirette, pas de touche, que dalle. La journée avance et ça continue pareil. Donc je pense qu'on va rentrer de bonne heure. voilà, c'est la pêche, c'est aussi ça la pêche. Donc on peut pas toujours vous montrer des poissons. Concernant la recette que je suis en train de faire pour pêcher aux méthodes feeder, donc je suis en train de préparer un petit article pour mon blog, et aussi je préparerai un petit tutoriel aussi quand j'aurai commencé à avoir les bonnes bases en termes de dosage et de mouillage. Comme ça je pourrai vous partager la recette déjà, comme ça vous pourrez regarder de votre côté. Et ensuite ce que je vous propose, c'est de participer en répondant sous la vidéo. D'échanger entre vous. Le but aussi c'est de pouvoir partager et échanger. Et si vous avez des idées, qu'on puisse faire quelque chose en commun, ça serait sympa. Voilà, ça serait original, ça changerait un petit peu. Donc toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. En restant sur des produits naturels, le but c'est d'essayer de partir sur quelque chose, une base, c'est-à-dire qu'en allant dans un supermarché, en achetant les produits et les matières premières, essayer de faire quelque chose qui peut se permettre de pêcher aux méthodes en hiver. Sachant que l'objectif, il faut rester quand même sur quelque chose de pauvre en nourriture. Le but, c'est d'attraper le poisson et pas de le nourrir. Donc voilà, voilà à peu près le truc. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous invite à répondre en dessous de cette vidéo. Ça permettra de faire vivre un peu aussi la chaîne, qui tout doucement s'agrandit. On va bientôt atteindre les 1500 abonnés. J'aurais jamais cru que ça aurait été possible. C'est grâce à vous et à vos retours. C'est sympa, je vous en remercie encore. Voilà, je pense qu'on va en conclure là-dessus. Donc pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à en voir d'autres sur cette chaîne avec des poissons. Je suis désolé, comme je le dis assez souvent, pour que le film soit bien réussi, il faut aussi que les acteurs qui sont les poissons se décident à mordre. Donc peut-être que là, je pense pas que ça vienne de ma pêche, hein. On est quand même 6-7 pêcheurs, là c'est mort complètement. Voilà. Donc je vous invite à liker ces vidéos si vous le désirez. Et pour les nouveaux, à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc là, on est au feeder. Et je sais pas quoi dire. J'ai pas l'inspiration là pour l'instant.
on s'emmerde, il n'y a pas de poisson. C'est pas grave, ça sera pour le bonus. Et oui, c'est ça aussi la pêche, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, au moins on bronze, j'aurais dû amener la crème, j'aurais été au moins bien. Voilà, j'aurais les marques de lunettes ce soir. Au moins, il y a des canards. Ça passe le temps.